merci à tous d'être présents pour donc cette remise de la contribution de la Fédération de chasse à la création de l'abattoir. C'est vrai que c'était important par rapport à une activité qui a été lancée il y a quelques années maintenant, de fenaison au niveau de l'abattoir avec une distribution par les établissements gouache. Et donc c'est une activité qui pour nous est intéressante puisque ça apporte un petit peu de tonnage au niveau de l'abattoir. Hein. C'est autour d'une dizaine de tonnes par an sur l'abattoir de Perpignan et donc c'est toujours ça. Et puis en même temps, ça permet d'avoir aussi une activité au niveau du département qui est un peu une première. Enfin, j'ai appris ce matin qu'il y avait d'autres départements qui commençaient à faire la même chose, mais c'est vrai que c'est une activité qui, je pense, par rapport à la fédération et aux chasseurs du département, est une bonne chose. Donc ça fait, si vous voulez, à peu près 5 ans qu'au niveau de l'abattoir, on a commencé à traiter du gibier. On a commencé par des cerfs au départ, et puis ensuite, depuis 3 ans, des sangliers. Hein. Et des chevreuils aussi, hein, voilà. Donc comme l'a dit le président, ça représente à peu près, pour la saison 2016-2017, donc l'ouverture de la chasse en septembre, enfin depuis septembre on traite du gibier, on en est déjà à 11 tonnes 700, donc on peut prévoir que d'ici fin février, c'est à peu près la date à laquelle ça doit s'arrêter, on sera peut-être à 13 tonnes, voilà, ça représente aujourd'hui 256 animaux qui ont été traités. Il faut savoir que, mais après je laisserai monsieur le président de la fédération parler, qu'il y a eu aussi un partenariat qui a été fait avec le conseil départemental concernant la mise en place de chambres froides à ce jour dans 4 endroits différents. Hein, donc on a Morillas, Estagel, Les Angles et R. Voilà, qui permettent donc de stocker les animaux qui sont ensuite redescendus en camion frigorifique. Et pour être traité à l'abattoir. Et donc il y a un travail aussi qui est fait bien évidemment en partenariat avec les services vétérinaires qui vont valider les carcasses. On effectue aussi des analyses, des prélèvements et des analyses au sein du laboratoire départemental d'analyse avant que ces animaux ne puissent être mis en marché. Voilà, donc il y a un travail aussi avec la DDPP. Voilà, monsieur le président. Merci. Ce que je voulais d'abord vous dire, c'est que je voulais associer donc le président honoraire de la fédération, hein, Alain Escalopé, hein, puisque c'était pendant son exercice que cet accord donc, a été passé donc, dans vos bureaux, hein, et ça a été validé à l'unanimité donc, par le conseil d'administration qu'il présidait à l'époque. Hein. Donc là, c'est la concrétisation, on va dire, de cette opération. Je voulais également souligner donc, les partenariats donc, que nous avons avec le conseil départemental hein, et le conseil régional, hein, parce que c'est grâce à eux qu'on a pu mettre en place, avec la collaboration bien sûr des établissements gouache, mais aussi des services vétérinaires, et la direction départementale de la protection des populations. Donc on a pu mettre en place donc, ces centres de collecte, hein, puisque ce sont des centres de collecte. Hein. Vous les avez cités, il y en a 4 pour l'instant. Hein. Ils ont été ciblés dans des endroits stratégiques du département, hein, et qui étaient porteurs en matière de gibier, que ce soit les grandes pattes, hein, tout ce qui est cervidé ou que ce soit sanglier. Voilà, aujourd'hui, je pense que le réseau donc, est bien implanté dans le département. Hein. Après, il faut avoir une démarche constante donc, pour que ces apports se fassent régulièrement. On est également très satisfait de cette collaboration au travers de cette convention parce que c'est un lien qui est conforté, si vous voulez, avec la Chambre d'agriculture, hein, et les éleveurs. Hein. Avec la Chambre, nous avons des relations que je qualifierais de permanentes, hein, les plus constructives possibles, et une participation donc, au travers de l'élevage, et puisque je sais que vous êtes quand même sensible au tonnage dans cet abattoir, parce que c'est important, hein. Donc on est doublement satisfait donc, de cette collaboration. Hein. Voilà. Alors c'est un premier pas. Hein. J'espère que
on pourra peut-être aller plus loin dans l'avenir, hein, parce que cette filière, c'est vrai qu'elle date de 6 ans, hein, lorsque a germé l'idée de cette filière. Ça a été long à mettre en place, hein, hein, et il a fallu beaucoup de rencontres donc, pour qu'on arrive à quelque chose de correct, je veux dire. Hein. Toutes ces installations de centres de collecte ont toujours été faites donc, dans le strict respect donc, de la législation en matière sanitaire. Hein. Et tous nos projets ont fait l'objet d'une validation par la direction départementale des services vétérinaires. Hein. Les plans de ces centres de collecte ont toujours été validés. Donc on a voulu être le plus transparent possible et le plus efficace possible aussi dans le département. Donc bien sûr, c'est grâce à cette collaboration étroite donc, avec la famille Gouache, hein, qui, au-delà de leur activité, donc, sont des chasseurs aussi, hein, ce qui a facilité, on va dire, les relations. Deux mots rapidement, moi, c'est que... moi, je suis là en tant que président de la chambre d'agriculture, bien sûr, mais je suis chasseur également, donc voilà, intéressé à double titre dans le cadre de cette démarche. Alors, c'est vrai que pendant quelques années, on s'est posé la question par rapport au gibier, surtout c'était à ce moment-là les sangliers qui se situaient dans le département. Et la question que se posaient les éleveurs, est-ce qu'on ne va pas vers une concurrence au niveau des marchés de la viande au niveau du département par rapport donc aux éleveurs. Et puis petit à petit, en discutant avec la famille Gouache, on va dire, on s'est aperçu que ce n'était pas du tout le cas. Au contraire, on avait besoin dans ce département d'avoir un ravitaillement en viande de gibier, et c'est ce qui nous a fait adhérer à cette démarche. Je sais que ça a également rendu service aux agriculteurs, parce que les chasseurs, face à l'augmentation des populations de gibier, que ce soit les sangliers ou les cervidés, mais on disait, écoutez, bon, maintenant ça suffit, il faut réguler les populations. Et puis on avait la réponse chasseur, on dit oui, mais attendez, réguler les populations, ça veut dire qu'on va demander plus de plans de chasse, ça veut dire qu'on va avoir un coût supplémentaire au niveau du plan de chasse, donc on ne pourra peut-être pas intervenir comme on le souhaiterait, donc on ne pourra pas réguler forcément les populations. D'où l'idée donc, qui a germé, enfin la réalisation plutôt qui a été faite, c'est qu'à travers la vente de la venaison, ben, parfois on peut, enfin, les chasseurs rentabilisent entre guillemets les plans de chasse. Ça, c'est important, et ça a permis ce secteur du Val-Espire, du Cap-Cire en particulier, donc, à diminuer très fortement les populations de cervidés, et les éleveurs du secteur sont satisfaits aujourd'hui de l'action des chasseurs qui a été menée. Oui, à mon tour, oui, de dire un petit mot, bien sûr, me féliciter d'être avec vous aujourd'hui pour d'abord pour marquer le soutien et l'accompagnement du département, hein, dans ce que je qualifie d'action très 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 intelligente, hein, puisque à la fois l'élevage, la fédération de chasse, la viande, hein, dans le département, avec l'établissement Gouache, bien sûr. Donc le département accompagne bien sûr ces initiatives. Je suis accompagné d'ailleurs de Cédric Costa, le technicien qui suit un petit peu tout ça. C'est vrai que je crois qu'aujourd'hui on a besoin de partenariats forts entre toutes ces actions, et qu'elles se regroupent comme ça me paraît intelligent, hein, à la fois les éleveurs, les chasseurs et le traitement de la viande dans ce département. Donc le département, c'est vrai que sur les établissements abattoirs ici, comme à Ure, à la montagne, les centres de traitement dont vous avez parlé les uns et les autres, le département les accompagne financièrement, bien entendu. Donc je crois que, après avoir excusé la présidente Herménie Malherbe, qui ne peut pas être là ce matin, mon rôle, c'était de représenter le département dans cet accompagnement qui existe et qui existera demain. Vous savez, chaque année, au mois de décembre, eh bien, nos clients nous demandaient est-ce qu'on peut avoir du sanglier, est-ce qu'on peut avoir du chevreuil, est-ce qu'on peut avoir du cerf. Bon. Et effectivement, pendant de nombreuses années, notre seul point d'approvisionnement, ben, c'était Rungis, parce qu'il n'y avait pas d'autres moyens Rungis, ou aller directement un petit peu en Alsace, là-haut. Hein, et puis souvent, nos clients ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas, mais comment? On est dans un département où, ici, où ils se tuent tant de sangliers, tant de chevreuils et de cerfs, et on ne peut pas avoir, eh bien non, on peut pas avoir de la viande locale. Bon, c'est vrai que, suivant tous ces problèmes des mois de décembre, récurrents tous les ans,
Et bien, c'est vrai que donc, Stéphane, qui est passionné de chasse depuis quelques années maintenant, et bien, a commencé à prendre un peu le... à y chercher un petit peu comment faire, comment avancer un petit peu sur, sur ce ramassage un petit peu de gibier local, et comment on peut faire cette collecte, et de fil en aiguille, ça s'est monté comme ça, 4, 5 ans, 6 ans qu'on en discute, et moi je suis très heureux aujourd'hui. Stéphane rentrera un peu plus dans le détail, mais moi je suis très heureux, pourquoi? Parce qu'on a fait cet outil l'abattoir, et qu'aujourd'hui, vous savez, toutes les petites recettes que l'on peut faire sont importantes, parce qu'il y a un lourd investissement, c'est une machine très lourde aussi en fonctionnement, n'est-ce pas, monsieur le président? Et que toutes ces petites, parce qu'il y a 13 tonnes, 15 tonnes demain, 20 tonnes, pourquoi pas quelques 25 ou 30 tonnes dans un an ou deux, ben, c'est des recettes de plus pour l'abattoir et c'est un petit volume de plus. En même temps, on est sur l'identité locale, on est sur du gibier local avec, nous avons nous une image locale sur nos produits, hein, on recherche que de l'image locale en majorité sur nos produits. Et ben là, c'est un joli produit, propre, sain, travaillé frais, puisque bon, on fait la collecte le lundi, le mardi matin, c'est examiné par les services vétérinaires de l'abattoir, et dès le mercredi, jeudi, vendredi, c'est travaillé frais, c'est conditionné frais, presque à façon pour nos restaurateurs ou nos hôteliers ou nos bouchers charcutiers. Écoutez, c'est une très très belle réussite et puis j'espère surtout qu'elle va se développer encore. La petite nouvelle de l'année, et là c'est une bonne nouvelle pour la suite aussi, c'est qu'on a un partenaire nouveau qui est sur Paris. Donc à l'époque, c'est nous qui étions obligés d'acheter un peu de gibier à Paris. Et depuis cette année, on fournit un très très bon grossiste volailler qui est sur Rungis, qui achetait lui aussi très peu de viande en France puisqu'il en trouvait très peu. Bien, aujourd'hui, il est très très heureux de mettre en vente sur les meilleures tables des restaurants parisiens du gibier de chasse des Pyrénées catalanes, la marque qu'on a un peu mis en avant. Et donc c'est une bonne nouvelle aussi par rapport au conseil départemental et pour l'avenir. Si on pouvait peut-être mettre quelques chambres froides en plus, on a quelqu'un qui est à notre écoute sur Paris et qui nous permettra d'écouler assez facilement, on va dire, des volumes qu'on avait un peu de mal au début, les 3-4 premières années. Mais cette année, c'est la première année, on n'aura pas besoin de surgeler de la viande de gibier. Tout a été vendu en ultra frais. Et donc on est très satisfait de ça et donc on espère que peut-être Jean-Pierre, on pourra avoir d'ici l'an prochain ou l'année qui vient une chambre froide ou deux de plus, encore un peu plus stratégique pour les zones où le gibier est le plus important à chasser. Dès qu'il va en parler, mais une zone comme le Val-Espire, aujourd'hui on en a une à Mauriac, mais pourquoi pas le Haut-Val-Espire, si ça pouvait motiver un peu tout le monde un peu plus peut-être. Peut-être Jean-Pierre une autre dans la vallée de la Glie un peu plus haut, enfin, je ne sais pas, peut-être dans les Aspres ou dans le Conflans. J'ai eu des demandes dans le commerce, ça peut être intéressant aussi. Et comme on le disait, ça permet quand même aux chasseurs un revenu de plus qui leur permet à eux de faire des frais quels qu'ils soient. Les chiens aujourd'hui, quand ils ont des accidents, comme on l'a vu ce matin sur le journal, avec des chiens qui vont chez le vétérinaire tous les dimanches, ça coûte, ça a des frais. Alors pour les battus, pour les AK qui n'ont pas trop de moyens, ça fait un revenu supplémentaire, étant donné du nombre de sangliers ou de cerfs qu'on peut prélever sur chaque AK tous les week-ends. Donc je pense que c'est vraiment du gagnant-gagnant pour tout le monde et ça permet aussi de mettre les chasseurs et le monde de l'élevage quand même à un niveau assez semblable pour un apport dans un abattoir. Donc je trouve que c'est quand même très intéressant et que Michel puisse être là et en parler comme ça, c'est un plus pour tout le monde. On a un travail de démarche pédagogique donc, au sein de toutes les équipes de chasse hein, à faire, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs. Hein. Simplement pour vous donner une idée, bon, là on parle de 250 carcasses qui sont déposées. Bon, aujourd'hui, en prélèvement sanglier, on s'oriente donc pour la saison 2016-2017 donc, à un prélèvement de 12 000. Donc vous voyez, on est vraiment... C'est vraiment pas très important ce qui se dépose par rapport à ce qui se tire. Et au niveau des cervidés, on est à peu près à 2000 cervidés donc, qui sont attribués au niveau du plan de chasse. Si on y ajoute les presque 2500 chevreuils, bon, vous voyez, il y a une capacité donc, très importante et on est vraiment... au démarrage, on va dire, de cette filière. Hein. Alors, même si la règle hein, et la tradition dans le département et dans les équipes, donc, c'est le partage convivial, bon, je pense que compte tenu maintenant des scores qui sont établis dans chaque association, bon, on les convaincra petit à petit hein, de déposer.
chaque territoire de chasse, donc, pour pouvoir accéder à ces centres de collecte, donc, passe au travers d'une convention. Hein. Bon, c'est une convention qui reprend le respect en matière de dépôt hein, des carcasses donc, de gibier. Bon. Alors c'est vrai que ces formules existaient déjà dans les départements de l'Est, hein, bon, Alsace, Lorraine, etc., où ils étaient plus avancés que nous là. Mais la Fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Orientales est en quelque sorte précurseur en la matière. Hein, et beaucoup essaient de copier d'ailleurs notre modèle, parce que bon, c'est une filière qu'on a mis en place et qui fonctionne bien et qui fait référence. Hein, il nous est arrivé d'être amené à faire d'ailleurs de petites conférences sur le fonctionnement. Si les ACA ont plus de moyens à travers justement cette convention, c'est que ça permettra de nettoyer les chemins, d'ouvrir certains milieux qui sont aujourd'hui un peu fermés. Et il faut savoir aussi que c'est la collectivité qui va en bénéficier. Bon, c'est les éleveurs parce que certains secteurs sont peut-être un peu plus accessibles, mais c'est également les randonneurs. Qui eux ne donnent pas un seul centime pour l'entretien du territoire, je le dis à ma façon, hein, peu importe, qui ne donnent pas un seul centime pour l'entretien du territoire et qui pour eux auront une répercussion importante justement parce qu'ils vont trouver des sentiers, des milieux ouverts. Ah, donc, on participe à l'ensemble des activités de notre département. L'ouverture des milieux, c'est important. L'objectif aussi, c'était de créer un développement économique autour de la chasse. Hein. On en parle au niveau national, mais. Au niveau départemental, ça fait partie des développements économiques qu'on peut trouver autour de la chasse. Et puis, bon, ça permettait, bon, parce que si on veut expliquer un petit peu le fonctionnement de la chasse, hein, ça a permis à certaines associations de chasse de maintenir l'accessibilité donc, au territoire à un prix relativement modeste. Parce qu'il faut savoir qu'en matière de plan de chasse, le chasseur règle le plan de chasse, hein, il le paie. Hein. Au niveau du département, le plan de chasse, ça représente 195 000 euros de cotisations qui sont versées par les chasseurs pour accéder à ces gibiers, hein, que ce soit cerf, biche, chevreuil, mouflon, isard, etc. Hein, donc c'est 195 000 euros. Et puis, bon, Stéphane faisait référence donc, aux frais qu'engendre l'exercice de la chasse et surtout au niveau de l'entretien des meutes, l'entretien des meutes, c'est d'abord 80 000 euros d'assurance qui sont réglés au travers du département, c'est 125 000 euros de frais vétérinaires qui sont acquittés donc, par l'ensemble des sociétés de chasse du département. Et là, c'est 125 000 euros, c'est hors partie prise en charge par l'assurance. Et si on y ajoute la nourriture et l'entretien des chiens, etc., on arrive, tout frais confondu, à un investissement. Et là aussi, c'est un petit peu le tissu économique autour de la chasse. On arrive à un investissement qui est pas loin du million d'euros, donc, et qui est généré par la chasse donc dans le département. Hein. Je ne parle que du département. Là. Donc vous voyez, l'objectif aussi, c'était ça, c'était de permettre... Hein, à certains chasseurs de continuer à pouvoir accéder à certains territoires à un coût relativement réduit, compensé donc par la vente de ces carcasses. Donc petit à petit, c'est une démarche qu'on essaie d'inculquer de façon très pédagogique donc, aux responsables de territoire. Je salue bien entendu cette initiative qui apporte, je pense, encore un peu plus à un équilibre et dans l'environnement et au niveau économique. Et grâce à cette collaboration avec les services de l'État, le côté sanitaire qui est quand même très important. Et c'est aussi ce travail qu'on a pu faire ensemble qui a permis que se développe ce marché finalement, parce que le passage par des validations des services vétérinaires permet de donner la confiance hein, aux consommateurs. Et je pense que c'est vraiment une expérience intéressante de voir aussi que l'État accompagne et n'est pas là que pour sanctionner et qu'il accompagne aussi les projets et que ça permet un développement économique dans un département qui en a besoin.